Oui, bah bonjour, presque mi-course, donc bah pour nous c'est l'heure de remballer. Bah décevant effectivement, parce que mes coéquipiers ont fait un super début de course. Pour ma part, je sais qu'étant un peu plus âgé, il me faut toujours un peu plus de, au moins deux relais pour me mettre dans le rythme. Donc là, j'étais calé par rapport à la Suze qui était juste devant, et voilà, je me calais jusqu'à mon mi-relais avec elle, de façon à moi à pouvoir me mettre dans mon rythme de course, et surtout pas prendre de risque, parce que cette position-là, bah, voilà, il faut la gérer. Il faut pouvoir la gérer, et puis ne roulant plus suffisamment, y a toujours une petite frustration et la peur de faire une bêtise. Donc c'est vrai que moi, désormais, je suis sur mes premiers tours de route très prudent, un peu trop malheureusement, mais de toute façon, on était toujours dans le coup. Je veux dire, à ce moment-là, tout était... il n'y avait rien de perdu, tout était encore bon, et on était vraiment dans le rythme pour cette victoire une nouvelle fois. Donc voilà, un petit pépin technique qui m'est arrivé à moi, qui m'est arrivé quand c'était moi sur la moto. Donc c'est comme ça, ça arrive malheureusement. Je pense qu'on paye un peu les mésaventures de Suzuka, et voilà, ça se paye ici aussi également. Donc c'est dommage, mais le potentiel est là, et je pense que le chat noir va finir par disparaître un jour, parce que là il commence à bien rouler dans le box et commence à être pénible. Allez, ciao, bisous.